Le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, tout de suite, la suite de votre rétrospective 2012. Nous sommes désormais en été. Oui, juillet 2012. Hein, souvenez-vous, Hollande, le président qui ressemble à Montboucher, rend visite à la reine Elisabeth. Cette dernière est habillée d'une robe rose avec d'énormes fleurs, découpées dans de la moquette. Hollande chasse les abeilles qui la butinent et détruit la ruche qu'ils ont commencé à lui construire dans les cheveux. Il lui offre alors un cadeau, c'est véridique, une porcelaine de Sèvres représentant la femme de Poséidon amphitrite sur un cheval marin. Le cadeau le plus nul de la Terre, juste derrière un séjour à Guantanamo. La reine qui attendait un iPod lui dit « je vais la mettre au cabinet », c'est là-dedans qu'on rangera la brosse à chiottes. Puis Hollande, usé par la reine, part au fort de Brégançon avec Trierweiler. Profitant de l'aubaine, la presse, vous vous souvenez, publie des clichés magnifiques d'eux à la plage. Le short de bain d'Hollande dans l'eau se gonfle tel une méduse et ça fait des bulles. Une carpe, séduite par le couple, leur propose même un plan à trois. Septembre, mieux que Brégançon, Hollande part à New York. Sur les traces du seul type plus drôle que lui, Ludovic Cruchot, le gendarme de Saint-Tropez. Seulement à New York, il y a aussi le boulet, alias Ségolène Royal. Elle suit Hollande partout, elle le colle comme une sangsue collerait un hémophile. Alors dans un couloir de l'ONU, Royal donne une interview à la télé, quand tout à coup Hollande débarque comme le cheveu de Moscovici sur la soupe. Alors il la voit et fait demi-tour avec toute la délégation française, 60 râteaux d'un coup, tout un jardiland dans la tête de Ségolène. Hollande en fait tout à l'envers, il commence à faire 4 gosses à une femme et 20 ans après il lui met un vent. Dans 3 mois ils vont jouer tous les deux au docteur dans un centre aéré. Cet automne on a appris le départ de Christian Clavier pour Londres. Oui, octobre, Clavier, notre jacouille chassé par Hollande, se taille à Londres. On s'aperçoit alors qu'il n'a rien perdu de ses puissances comiques puisqu'il explique qu'il n'y est pas pour raison fiscale mais pour son bien-être personnel. Un très bon gag. C'est comme si Tsonga disait qu'il part en Suisse pour changer de chocolat parce que les Kinder il en a marre. Ou comme si Liliane Bettencourt, 89 ans, s'installait aux îles Cook pour la planche à voile. Octobre toujours, miracle! Lors d'un festival à Lille, Martine Aubry est prise en photo en train de sourire. Elle fait même du train fantôme avec Jean-Marc Ayrault. Ce qui est absurde car pour avoir les jetons, il suffisait de regarder Ayrault, qui dégage la chaleur humaine du fils qu'aurait eu l'inspecteur Harry avec Sylvie Tellier. Aubry, dans la foulée, devient mamie, une bonne nouvelle. Sachant qu'elle sourit, le bébé s'est dit « elle a changé, donc je sors ». Parce que franchir le col de l'utérus pour tomber sur mémé avec l'air aussi joyeux que la reine d'Angleterre devant son cadeau pourri de Hollande, ça valait pas le coup. Ah, sans doute pas, effectivement. Merci beaucoup Tanguy. On se retrouve dans une heure pour le quatrième et dernier volet de la Rétro 2012.